وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. On dit le monde de la tombe, il n'est pas là sous la tombe. Tu creuses, tu l'es là sous la terre. Quand on dit le monde de la tombe, ça ne veut pas dire que tu creuses, il est là sous la terre. Ou comme certains, ils ont fait soi-disant des expériences. Il a rentré des capteurs sonores, je ne sais pas combien, sous la terre. Et soi-disant, il a enregistré le châtiment des gens de la tombe. Des cris ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Le monde de la tombe, il n'est pas là, il n'est pas dans le noyau de la terre. C'est un monde invisible. Il est dans le réel. Il n'est pas dans le matériel que tu vois ici. Il faut que ce soit clair. Le monde de la tombe, c'est un monde où c'est les âmes qui subissent les plaisirs et les châtiments et les corps en ressentent les effets. Au contraire du monde de Dunia, où c'est les corps qui subissent les plaisirs et les châtiments et c'est les âmes qui en sentent les effets. C'est le contraire. C'est l'effet contraire. Et le paradis, c'est le monde où les âmes et les corps, âme et corps, ils ressentent les plaisirs. Et l'enfer, c'est un monde où l'âme et le corps, ils ressentent les châtiments. Comme l'a bien décrit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.